L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Voici la nourriture qui nous est préparée aujourd'hui, sortant de la bouche de Dieu. Jean chapitre 17. Nous sommes toujours à l'écoute de cette prière que Jésus a prononcée, la prière sacerdotale. Il a prononcé à la suite de son entretien avec ses disciples dans la chambre haute, juste avant son arrestation, un texte capital, un texte très profond. Je lirai les versets 13 à 19, mais le texte pour aujourd'hui, ce sont les versets 17 à 19, mais on, on commencera un peu avant pour nous rappeler du contexte. Donc, à partir du verset 13. Et maintenant, je vais à toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Et voici notre texte. Sanctifie-les par, par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Prions. Éternel notre Dieu, quel privilège nous avons d'entendre ta parole. Nourriture pour nos âmes, soutien pour nos vies, encouragement. Pour nos êtres et pour notre travail ici bas. Éternel Dieu, que la lumière resplendissante de ta parole pénètre dans nos cœurs et vienne éclairer nos vies. Que cette prière de Jésus que nous pouvons entendre encore aujourd'hui vienne réconforter nos cœurs, faire chaud à nos cœurs. Nous rappeler son tendre amour pour son peuple, pour ses brebis. Que ta parole nous stimule aussi à, à vivre dans la sainteté et à aller accomplir la mission que tu nous confies. Viens, Seigneur Jésus, par ta parole nous instruire, nous encourager, nous soutenir par ton Esprit Saint Tout-Puissant. En Jésus, nous te prions. Amen. Peuple bien-aimé du Seigneur, comme il est bon d'entendre cette prière de Jésus, n'est-ce pas encourageant de savoir que notre Sauveur a déjà prié pour nous et qu'il continue aujourd'hui encore de prier, d'intercéder en notre faveur auprès du Père? C'est la preuve qu'il nous aime. C'est la preuve qu'il prend soin de nous, qu'il se soucie de chacun de nous. Sa prière nous enseigne qu'il existe une différence fondamentale entre l'Église et le monde. Et nous faisons bien de nous rappeler de cette différence fondamentale entre l'Église et le monde. Au verset 9, Jésus dit, C'est pour eux que je prie, pour ceux qui m'appartiennent, je ne prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m'as donné Et le reste de cette prière, les, les, les paroles qui suivent, marquent très clairement cette distinction, cette différence entre ceux qui lui appartiennent et le monde. Jésus annonce son retour vers le Père. Il annonce en même temps qu'il va laisser ses disciples dans le monde. En Jean 16, 33, à la fin de son entretien, il leur a déjà dit, vous aurez des tribulations dans le monde, des épreuves, des difficultés dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Mais alors, si le monde est tellement rempli de problèmes, et si le monde a tellement de haine envers l'Église, comme Jésus le rappelle ici et comme il l'avait dit au chapitre 15, pourquoi le Seigneur laisse-t-il l'Église dans ce monde? Pourquoi a-t-il laissé ses apôtres et ensuite son Église dans le monde, s'il y a tant de difficultés? Notre texte répond à cette question. D'abord, parce que Dieu n'a pas fini son travail avec nous, en nous. Il veut nous sanctifier. Mais ensuite, c'est parce que Dieu nous donne aussi un travail à faire dans le monde. Il nous envoie en mission. Et en fait, les deux vont ensemble notre sanctification et notre mission dans le monde. Dieu fait son travail en nous pour que nous puissions faire notre travail dans ce monde. Alors voici donc le message pour aujourd'hui, résumé en cette parole. Jésus nous sanctifie pour nous envoyer en mission dans le monde. Jésus nous sanctifie pour nous envoyer en mission dans le monde. Et nous suivrons simplement notre texte, premièrement, il nous sanctifie par sa parole. Deuxièmement, afin de nous envoyer dans le monde. Et troisièmement, car il s'est sanctifié pour nous. Premièrement, donc, il nous sanctifie par sa parole. Dans cette prière ici, dans sa prière sacerdotale, Jésus prie d'abord pour lui-même. Ce sont les premiers versets. Ensuite, pour euh, euh, ses disciples. Hein? Quand il prie pour lui-même, c'est pour sa glorification. Donc, versets 1 à 5. Une prière déjà exaucée quand il est monté au ciel dans sa gloire. Puis, dans les versets suivants, 6 à 19, il prie spécifiquement pour ses disciples, ses apôtres, pour leur protection, pour leur sanctification. Une prière qui, elle aussi, a été exaucée dans le passé pendant leur ministère. Et enfin, Jésus prie pour son Église, versets 20 à 26. Une prière qui n'est pas encore complètement exaucée. Mais, si nous revenons au verset 6 à 19, puisque notre texte fait partie de ce, de ce bloc, sa prière pour ses apôtres s'applique aussi d'une certaine manière à nous. Donc, ce n'est pas seulement pour ses apôtres, mais il y a un, un prolongement jusqu'à l'Église de tous les siècles. Nous avons bien sûr un rôle différent des apôtres, une position historique différente des apôtres, mais en même temps, nous aussi, nous sommes encore dans ce monde, comme eux étaient laissés dans ce monde, avec ces dangers. Et nous aussi, nous avons reçu la mission d'aller dans le monde. Et donc la prière de Jésus pour ses apôtres trouve son prolongement jusqu'à nous. Jésus a prié pour nous, comme il continue encore de le faire aujourd'hui. Il demande à son Père, garde-les en ton nom, verset 11. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais... De les garder du malin, verset 15. Donc, c'est une prière pour la protection et nous comprenons très bien la nécessité de cette prière pour la protection, puisque il nous laisse dans ce monde rempli de dangers et de défis. Mais Jésus va plus loin et ça nous amène à notre texte aujourd'hui. Il ne prie pas seulement pour une protection contre des dangers extérieurs, il prie sanctifie-les par la vérité. C'est une prière qui va plus profondément que simplement une protection Sanctifiez-les par la vérité une prière pour notre sanctification que signifie, que signifie cette prière bien tout d'abord elle nous dit clairement que la sanctification est impossible par nous-mêmes puisque jésus voit la nécessité de prier pour notre sanctification sans cette prière de Jésus, la sanctification des apôtres et de l'Église serait impossible. Il a fallu que Jésus prie de cette manière et que Dieu exauce sa prière. C'est donc une œuvre de Dieu, un miracle de sa grâce. Il est important de le rappeler. La sanctification, bien sûr, nous en sommes impliqués. Profondément, mais c'est d'abord et avant tout une œuvre de Dieu. Où trouver la sainteté Où trouver la sainteté dans ce monde Certainement pas en nous-mêmes. Comment devenir saint Nous sommes pollués par le péché profondément depuis notre conception même. Job 14, 4. Qui fera sortir le pur de l'impur? Réponse: personne. La sainteté se trouve en Dieu seul. Voyez comment Jésus s'adresse à son Père au verset 11 Père Saint, Père Saint, c'est lui qui est saint. Père Saint, sanctifie-les, puisque c'est lui qui est saint, c'est lui qui est capable d'accomplir cette œuvre de sanctification. Lui seul en est capable. Une œuvre magistrale dans nos vies, tout comme il a fait cette œuvre magistrale dans la vie des apôtres. Mais que signifie sanctifier? Tout d'abord, sanctifier veut dire mettre à part, consacrer, séparer pour un usage spécifique, mettre à part pour un usage bien spécial. Dans le grand plan de Dieu. Dans le livre de l'Exode, les premiers-nés des hommes et des animaux en Israël étaient sanctifiés, c'est-à-dire consacrés à l'Éternel. Exode 13, 2. Le peuple d'Israël a été sanctifié. Exode 19, 14. La montagne du Sinaï a été sanctifiée, c'est-à-dire mise à part pour une œuvre spéciale que Dieu y a accomplie. Les sacrificateurs devaient être sanctifiés, consacrés au service de Dieu. La tente de la rencontre avec tous ces objets à l'intérieur devait être sanctifiée. Exode 29, Exode 30. Vous voyez, l'action de sanctifier ne désigne pas tout d'abord une transformation intérieure puisque ces objets n'ont pas été sanctifiés dans le sens d'avoir été transformés, mais ils ont été... Mise à part pour un usage spécial. Quand j'étais petit, chez moi, à la maison, ma mère avait une vaisselle ordinaire pour tous les jours. Elle avait aussi de la vaisselle spéciale pour les grandes occasions. Il ne fallait surtout pas utiliser cette vaisselle spéciale pour les jours ordinaires. On pourrait dire que cette vaisselle était sanctifiée, c'est-à-dire mis à part pour un usage spécial. Eh bien, Jésus prie pour ses apôtres et pour son Église afin qu'ils soient mis à part pour un usage spécial dans le plan de Dieu. Et c'est ce que les apôtres sont devenus. Et c'est ce que nous sommes. L'apôtre Pierre dit dans sa première lettre, chapitre 2, verset 9, « Vous êtes, on parle ici d'identité, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Vous êtes une nation sainte et Pierre fait écho ici de ce que Dieu avait dit à propos d'Israël, justement au Sinaï consacré à l'éternel. Saviez-vous que vous êtes saint, mis à part pour Dieu, pour un usage tout spécial dans son plan C'est très important de connaître notre identité, de savoir, de réaliser la grandeur, la profondeur de cette chose, n'est-ce pas, quelque chose de grand Nous sommes différent du monde, très différent du monde. Non pas parce que nous serions meilleurs que les autres, mais parce que Dieu lui-même nous a mis à part pour lui, pour lui appartenir et pour être à son service d'une manière toute spéciale. Dieu regarde sur la Terre entière, il voit le monde entier et il y a une zone il y a un peuple qu'il appelle nation sainte mise à part pour moi à mon service pour ma gloire. Acceptez-vous avec joie, avec reconnaissance, avec admiration, étonnement que vous soyez des personnes toutes spéciales pour Dieu, des saints consacrés à Dieu et à son service. Et bien sûr, sanctifier ne signifie pas seulement être mis à part pour un usage spécial. Sanctifier désigne également la transformation en profondeur que Dieu veut accomplir en nous. Quand Jésus prie Sanctifier-les par la vérité, il demande à son Père de transformer ses apôtres, de transformer son Église. Il ne suffit pas d'être mis à part pour Dieu. Nous avons besoin d'être lavés de nos péchés par le sang du Christ. Nous avons besoin d'être transformés en profondeur par la puissance du Saint-Esprit pour devenir petit à petit de plus en plus semblables à Jésus. Il fallait que la vaisselle spéciale de ma mère soit propre pour être utile, donc après usage. Elle est lavée, cette vaisselle, elle avait beau être spéciale. Il fallait qu'elle soit propre, sinon elle n'aurait servi à rien. Nous avons besoin d'être nettoyés et d'être régulièrement nettoyés par le Seigneur Jésus pour être utiles à son service. C'est ce que l'apôtre Paul dit à son collègue Timothée, 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne, utile à son maître. Recherchez-vous ce processus de sanctification, de transformation de vos vies? Oui, c'est un long processus, c'est un processus ardu qui dure toute la vie. Avec ses hauts et ses bas, avec ses combats, ses rechutes, mais qui est rendu possible grâce à la magnifique prière de Jésus et à la magnifique action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Mais comment être sanctifié? Bien, Jésus a déjà prévu le moyen qu'il nous indique ici dans sa prière. Sanctifiez-les par la vérité. Voici le moyen. Ta parole est la vérité. Le moyen prévu par Dieu est la vérité. La vérité, bien sûr, qu'il nous a révélée dans sa parole. Toute sa parole est vérité. Elle est entièrement digne de confiance. Et sa parole est non seulement digne de confiance, elle est puissante pour nous sanctifier. La parole de Dieu a été puissante pour créer l'univers créer le monde, le système solaire, les galaxies. La même parole de Dieu qui sort de sa bouche est également puissante pour nous recréer, nous transformer, nous sanctifier. Les apôtres en ont reçu les effets bienfaisants. Ils ont été mis à part, et ils ont aussi été transformés pour pouvoir prêcher sa parole, mais aussi pour pouvoir la mettre par écrit dans le Nouveau Testament. Cela faisait partie de leur mission. Et nous avons leurs paroles qui sont la parole de Dieu. Et à notre tour, nous sommes sanctifiés par cette même parole qu'ils nous ont léguée. Sa parole nous appelle à lui, nous interpelle, elle nous consacre à lui et elle nous transforme à son image. Si nous croyons aujourd'hui, c'est parce que nous avons entendu la proclamation de sa parole. Si nous persévérons dans la foi, c'est parce que sa parole continue de faire son œuvre en nous. Nos cœurs ont besoin d'être changés de plus en plus chaque jour par la vérité de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait que l'Église et le monde sont si différents? Qu'est-ce qui fait que l'Église est si différente du monde? C'est la puissance de la parole de Dieu en action. Partout où la parole de Dieu est prêchée, partout où elle est reçue avec foi, on pourrait dire de nouvelles zones de sainteté apparaissent et agrandissent dans ce monde déchu. Des pécheurs perdus qui se mettent à croire au Seigneur Jésus sont consacrés à son service, consacrés au service de Dieu. Ils sont justifiés une fois pour toutes par la foi. Ils sont progressivement sanctifiés lavés de leurs péchés, transformés à l'image de Jésus, petit à petit. Et c'est ainsi que la prière de Jésus, prononcée il y a 2000 ans, est exaucée un peu plus chaque jour. Voyez la puissance de cette prière. Compr comprenons bien, sa prière ne nous rend pas paresseux. Sa prière n'est pas en train de, de nous lancer le message, « Bon bien, Jésus demande. » à son Père de nous sanctifier, donc ça va se faire, et puis sans notre participation d'aucune manière. Non, sa prière nous responsabilise. Le Seigneur nous confie une grande responsabilité, la responsabilité de prêcher fidèlement sa parole, la responsabilité de nous mettre à l'écoute régulièrement de sa parole pour utiliser le moyen qu'il nous donne pour notre sanctification. Comment faire pour nous consacrer à Dieu, pour nous reconsacrer à nouveau à son service, au lieu de continuer à vivre pour nous-mêmes et simplement pour nos intérêts personnels? Comment faire pour combattre le péché si tenace dans nos vies? Comment faire pour ne plus vivre comme le monde, mais rechercher la, saint la sainteté? en nous servant du moyen que le Seigneur Jésus nous a donné pour grandir en sainteté. Il n'y a pas de raccourci. Nous devons nous servir de sa parole pour que sa vérité nous sanctifie. Sommes-nous assidus à écouter la parole de Dieu, à la mettre en pratique? Méditons-nous sa parole? L'étudions-nous régulièrement? Est-ce que nous la savourons? C'est le moyen privilégié que le Saint-Esprit utilise pour nous sanctifier. Ne négligeons pas sa parole. Et prions également pour des serviteurs, d'autres serviteurs qui proclameront fidèlement sa parole. La progression de la sainteté dans ce monde en dépend. Quand nous passons par l'épreuve, quand nous souffrons, quand nous sommes découragés, quand il y a de l'adversité, quand le monde a de la haine envers nous, puisque c'est la réalité de vivre dans ce monde, eh bien, souvenons-nous de cette prière de Jésus. Dieu ne nous laisse pas dans le monde pour que nous ayons du bon temps, que tout aille bien, non? Il nous laisse dans le monde parce qu'il a encore un travail à faire en nous, notre sanctification. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il nous en donne les moyens. La prière de Jésus, la parole de Dieu, sa vérité, et l'action du Saint-Esprit. Même s'il nous laisse dans ce monde, il ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes. Il nous donne les moyens pour accomplir son œuvre. Ce qui nous amène au deuxième volet de notre texte. Donc, premièrement, euh, il nous sanctifie par sa parole. Deuxièmement, afin de nous envoyer dans le monde. Afin de nous envoyer dans le monde. Voyez comment Jésus rattache la sanctification à la mission. Les deux sont, sont étroitement reliés. Il enchaîne immédiatement en disant au verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde. Moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Nous sommes très différents du monde. Nous sommes saints, mis à part pour un usage spécial dans le plan de Dieu. Et quel est cet usage spécial? Eh bien, il nous envoie en mission dans le monde. Il a mis à part ses apôtres, il les a transformés pour les envoyer en mission dans le monde. Il nous met à part, il nous transforme pour nous envoyer aussi en mission dans le monde. La sanctification pour la mission. Voilà pourquoi le Seigneur n'ôte pas son Église de ce monde. Parce que nous avons un travail à faire dans ce monde. Même s'il y a des épreuves, des difficultés, des tribulations, de l'hostilité. Dieu fait un travail en nous et nous sanctifie pour nous permettre de faire le travail qu'il nous confie dans ce monde. Son travail en nous nous rendra capables de faire notre travail dans le monde. Et remarquez bien comment Jésus unit magnifiquement notre mission à sa mission. Comme tu m'as envoyé dans le monde, dit-il à son Père, moi aussi. Je les ai envoyés dans le monde. Pourquoi le Père a-t-il envoyé son Fils dans le monde? Nous le savons très bien. C'était pour aimer son peuple, c'était pour démontrer sa compassion, c'était pour faire des miracles, faire venir le royaume de Dieu, c'était pour prêcher la venue du royaume et par-dessus tout, c'était pour chercher et sauver les pécheurs perdus, donner sa vie pour ses brebis, expier les péchés de son peuple et nous procurer la vie éternelle. Pourquoi le Fils a-t-il ensuite envoyé ses apôtres dans le monde? C'était pour proclamer au monde cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'était pour mettre par écrit cette bonne nouvelle dans le Nouveau Testament pour que nous en ayons le témoignage encore jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi envoie-t-il encore son Église dans le monde? Eh bien, c'est pour proclamer au monde ce même message apostolique qui nous a été confié. Nous sommes sanctifiés par la parole afin de proclamer la parole au monde. Question ici, petite question. Pourquoi Dieu n'envoie-t-il pas des anges en mission sur la terre? Il me semble que la mission serait beaucoup plus simple si elle était accomplie par des anges. Il me semble qu'elle serait beaucoup plus efficace et beaucoup moins coûteuse également n'est-ce pas? Eh bien, dans la sagesse de Dieu, il en a jugé tout autrement. Dieu n'envoie pas des anges proclamer l'Évangile au monde. Bien sûr, il a envoyé des anges à certains moments bien, bien précis, mais il envoie de faibles et pauvres, et misérables pécheurs que nous sommes, pardonnés et sanctifiés. Il envoie des personnes qui ont besoin de sa grâce et qui ont goûté à sa grâce. Pour aller vers des gens, les autres, leur parler de cette grâce. Si vous êtes de tels pécheurs pardonnés, sanctifiés, en processus de sanctification, vous êtes tout à fait compétents pour expliquer l'évangile à vos voisins, à votre prochain. Mieux que les anges, dans un sens. Voyez comme cette prière du Seigneur Jésus est magnifique. Une prière pour que Dieu nous consacre à son service, une prière pour qu'il nous transforme par la puissance de sa parole, afin que nous fassions connaître sa parole aux autres. Jésus prie ardemment pour que nous soyons rendus capables d'aller dans le monde annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Il prie pour que son Église ait la force, ait la joie, ait le courage d'appeler les pécheurs des ténèbres à son admirable lumière. Le Père ne va-t-il pas exaucer la prière de son Fils? C'est pourquoi Jésus a commandé, Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, 19 et 20. Plus nous grandirons dans la sanctification, plus nous serons différents du monde et plus nous serons engagés dans le monde à proclamer l'évangile à accomplir la mission qui nous confie voyez-vous maintenant pourquoi Dieu nous laisse dans ce monde avec ses difficultés ses problèmes son hostilité oui nous aurons des épreuves dans le monde oui nous subirons la haine du monde mais nous avons une importante mission dans le monde. Le Seigneur nous a confié le travail le plus important qui soit pour sa gloire, pour refléter et faire avancer sa sainteté dans le monde. Donc, premièrement, il nous sanctifie par sa parole, <coughs> deuxièmement, afin de nous envoyer dans le monde, et troisièmement, car il s'est sanctifié pour nous. C'est l'élément qui reste à regarder dans cette prière, un élément clé, un élément fondamental. Nous sommes ici vraiment au cœur de l'Évangile, de cet Évangile que nous proclamons au monde. Au verset 19, Jésus ajoute, et donc il revient sur la sanctification, et là on voit comment c'est imbriqué, sanctification et mission, et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Cette prière remonte à la source de notre sanctification. Quelle force motrice est assez puissante pour nous consacrer au service de Dieu, pour nous transformer à l'image de Jésus et pour nous rendre capables d'aller en mission dans le monde? Quelle est la force motrice assez puissante pour accomplir tout cela? Cette force motrice, cette source, c'est Jésus lui-même. C'est le fait qu'il se soit sanctifié pour ses apôtres et pour son Église. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Oui, le Seigneur Jésus s'est sanctifié pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire au juste Il s'est sanctifié pour nous. Jésus avait-il besoin d'être lavé de ses péchés, d'être purifié, nettoyé et de progressivement grandir dans la sainteté? Non, certainement pas. Jésus a toujours été parfaitement saint, pur et juste. L'agneau était sans défaut pour pouvoir payer au complet la dette de nos péchés. Je me sanctifie moi-même pour eux, signifie je me consacre à leur service. Je suis mis à part pour leur salut. Jésus a été mis à part pour nous. Il s'est consacré tout entier à notre service durant tout son ministère et tout spécialement à la croix. Il s'est consacré à notre service pour notre salut, jusqu'à mourir pour nous. Vous voyez cette prière qu'il prononce ici, c'est juste quelques heures avant son arrestation, sa crucifixion. Une petite parole qui révèle la grandeur de son cœur, qui révèle la force de son, de son amour. Je me sanctifie moi-même pour lui. La mort de Jésus sur la croix n'est pas un drame épouvantable qu'il a subi malencontreusement. C'était lui qui s'est sanctifié. C'est lui qui est allé à la croix volontairement, librement pour nous. Maintenant qu'il est monté au ciel, il intercède encore pour nous. Il règne sur le monde pour rassembler son Église, la protéger, la conduire vers sa destination finale. Jamais il ne nous abandonnera tout seul dans nos combats et dans notre mission dans ce monde. Il nous envoie en mission avec cette merveilleuse promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Quel merveilleux sauveur nous avons! Il s'est sanctifié pour nous, imaginez. Il s'est consacré à notre service afin que nous soyons à notre tour consacrés à lui pour un travail spécial dans le monde. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour notre sanctification, mais aussi pour accomplir cette mission spéciale qu'il nous a confiée dans le monde. Que faire quand nous sommes découragés de nous-mêmes, quand notre progrès, nos progrès paraissent. Bien minime, quand nos vies semblent encore médiocres, quand la mission nous semble beaucoup trop difficile. Revenons à la source. Le Seigneur Jésus s'est lui-même sanctifié pour nous. Il s'est donné tout entier afin de nous donner un élan nouveau. Il s'est consacré lui-même pour nous donner une vie transformée qui nous rendra capable d'aller en mission dans le monde. Nous avons un merveilleux message à proclamer au monde, le Seigneur Jésus est avec nous dans cette mission. Allons avec force et courage. Amen.